Bonjour à tous, c'est Trail pour la chaîne Imaginaire. On se retrouve sur un nouveau jeu. On va essayer de faire le let's play qui devrait être relativement court. Donc ce jeu s'appelle Kane. Il a été créé par les mêmes développeurs et éditeurs que le jeu Stasis. Les éditeurs s'appellent The Brotherhood. Je sais pas si c'est un préquel de Stasis, en tout cas c'est exactement la même ambiance. C'est plus court que Stasis. C'est à peu près le même gameplay. Donc je ne testerai pas Stasis. Il est sorti il y a déjà un moment. Mais je pense que ça peut vous donner une bonne idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec ce type de jeu. Donc moi j'ai joué quelques écrans, j'ai vraiment pas beaucoup joué au niveau du jeu. Donc on va lancer une nouvelle partie. I don't want a child. I've never wanted one. Je ne veux pas d'enfant, je n'en ai jamais I had a voulu. plan and J'avais des projets this et ça wasn't n'en part of faisait it. pas partie. Relax. I promise this won't hurt a bit. How would he know? Thanks. Just a few more items to check off and we can start. Name and ID? Hadley, 140-3121-09. And the procedure is being paid for by a third party? Yes. They No explanation needed. No family listed? No family. It's just me. A special order here. Ah, that's for me. Right then. Let's begin. Nurse. Now, count back from 10. 10, 9. You'll be just fine, sweetie. 8, 7. Bien. Ouais, je vais essayer de faire ce que je peux pour t'aider. Alors, c'est un jeu en 3D isométrique, type point and click, dans une ambiance horrifique. Faut pas la main. Oui.
beginning fetal extraction pre-check. What's happening? Trial complete. What are you doing? Answer me! God damn it! Fucking answer me! What are you gonna do to me? Yeah. No. Alors, l'écran vide est couvert d'une sorte de résidu organique qui sent l'ammoniaque. Okay. Le scalpel, je pense qu'il faut tuer notre ami. Cette unité contrôle les fonctions de récupération de spécimens du système d'extraction fœtale. Bras biomécanique d'extraction fœtale. Ok, donc apparemment on va se faire retirer le fœtus et l'utérus. Il grommelle entre deux respirations haletantes. Ok, et le ronflement des sorts moteurs dissimulés accompagne chacun de ses pas. Ok, donc comme je le disais, c'est un jeu de 3D isométrique. Horrifique d'ambiance. Fetal extraction cancelled. Jesus. Still pregnant. You might prefer to think of this as a bad dream. Fetal extraction? This is all because of the baby? After the removal of your womb, you will expect your selfless pregnant. I am ARM, diagnostic. Logiciel mis à jour. Échec de l'extraction de l'utérus. Recalibrage en cours. Extraction de l'utérus réussit sans. Ok, donc ça c'est moi, je pense, et avant il y a eu des opérations précédentes. C'est vachement rassurant. Docteur Adams, calibrage, mise à jour logiciel. Alors l'analyse de la... Il n'a pas fonctionné. Et... Terminal d'ordinateur. Scan complete. Subject no longer present. Ok. Je cours, je pense. Galope. Scan complete. It worked. Subject in place. Fetus ready for extraction. Ok, donc le scan est prêt. Donc j'ai déjà fait cette phase. Hein. Alors, il y a un moment, je pense. Il y a quelques jours, donc ils me reviennent. Begin womb extraction process. Breathe, Hadley. Breathe. Oh bon Dieu. Ah ouais, on a foutu un peu le bordel. Attention, incendie détecté dans le laboratoire d'extraction fœtale. Veuillez utiliser les sorties de secours indiquées.
pas faire grand chose qu'elle est là. Ah d'accord. Super. Alors c'est un jeu où on risque de mourir souvent. Soyons très clairs. And to think a fall could have been a good thing for me a few months ago. Oh, uncalled for, Hadley. Funny, but uncalled for. Une lueur. La lueur se reflète sur l'objet tordu en métal. Ok. On a récupéré le scalpel, mais en miettes apparemment. La pince affûtée, mais elle va être brûlante, isolant, visible. La condensation qui goutte sur ce conduit a fait rouiller le revêtement métal, exposant l'isolant. Je peux le... C'est quoi ça? Archive, un disque qui contient les dossiers médicaux d'un certain patient. Donc ça, c'est moi. Ain't nobody got time for this. Alors, des rebords métalliques abîmés brillent dans la lumière vacillante. En flamme, si je prends la pince, je vais me cramer. Ok, elle ne peut pas l'atteindre de toute manière. Surplomb, une poutre d'acier tordu dépasse du niveau supérieur. Ok. Terminal d'ordinateur. PDA. Tombé. C'est un journal intime. Oula, il y a de la lecture. Alors, 23 mars. Hank. Alice est malade. Des touffes entières de ses cheveux sont tombées quand je les ai brossées avant de lui raconter son histoire du soir. Et ce matin, elle était molle et pâle et dégoulinante. Mère dit que la nourriture du complexe n'est pas bonne. Et au cas où, j'ai commencé à la nourrir de protéines en poudre, mais je pense que cela vient de ses intraveineuses. Nous injectons beaucoup de produits chimiques expérimentaux et non réglementés dans les porteuses. Leur sang a peut-être été contaminé. Je dois trouver une nouvelle source. Peut-être un échantillon de la couvée. La santé de ma sœur est plus importante que le risque que j'encours en fouinant encore une fois dans la ménagerie de Kern. Il faut immédiatement que je remplisse mes bouteilles de gaz de la couvée. C'est aussi une bonne occasion de faire des recherches scientifiques. Oula. Le docteur Adams dit des choses comme « on mange chinois ou chez toi ». Je ne comprends pas. Mais je ris quand même. Oh. Jonathan. Mère dit « je dois rire aux blagues, sinon les gens vont en voir la trouille ». J'ai essayé de faire une liste de réactions appropriées parce que les relations avec les gens sont trop compliquées pour moi. Réaction appropriée au comportement. Rire si quelqu'un fait une blague. Accuser Joseph si quelqu'un se plaint de parties de corps qui disparaissent des unités d'élimination des déchets biologiques. Ou bien accuser les techniciens de Kane. Lucie réagit au nouveau traitement. Lucie est Alice. Était Alice. Je trouve que ce nom lui va mieux, depuis qu'elle a reçu son nouveau visage. La semaine dernière. Elle a plus une tête de Lucie maintenant. Nous avons une stagiaire qui s'appelait Lucie. Elle avait des taches de rousseur sur le nez. C'était avant, à l'époque de l'autre mois, quand j'étais bien plus vieux. C'est déroutant. J'en ai parlé au docteur Adams, qui m'a expliqué que mes souvenirs ne sont pas toujours fiables, à cause de l'accident. Il est possible que j'ai rêvé la suite, la vivisection, mais les cris et les pleurs et l'éclat de ses organes sous les lampes crues de la salle d'opération. Tout ça semblait si réel et extrêmement érotique, je dois l'avouer. Oulololol. Une conséquence intéressante, bien qu'inattendue, de la nouvelle source de transfusion sanguine, et que Lucie excrète une substance muqueuse qui a des effets similaires à ceux du gaz de la couvée. En ingérer pourrait produire une réponse analgésique comparable. J'ai commencé à racler sa peau pour la stocker dans des bocaux. Parce que mère dit que lécher sa propre sœur n'est pas convenable. Ne pas lécher sa sœur. Qu'importe, je l'emmène désormais partout avec moi et je l'utilise quand la douleur devient insupportable. C'est plus pratique qu'ainsi. J'ai eu beaucoup de travail, deux groupes de porteuses ont dû être éliminés plus tôt que prévu à cause d'une série de défaillances dans le jeton de mer servant à l'évaluation de la viabilité. Il y a eu beaucoup d'allées et venues d'ingénieurs et d'agents d'entretien dans le labo.
J'ai dû mettre Lucie dans le placard de la salle de contrôle de l'atmosphère pour l'instant. J'ai déjà une mauvaise réputation dans le complexe. Cela ne ferait qu'empirer les choses si quelqu'un tombait dessus. Mère dit qu'il ne comprendrait pas. Il y a aussi beaucoup plus de place dans la salle de contrôle de l'atmosphère. Dès que j'aurai trouvé une solution pour la jambe gauche de Lucie, je pourrai lui apprendre la valse. J'ai entendu parler de l'asticothérapie pour traiter les nécroses, et nous venons de recevoir au labo un échantillon des larves de Kern. J'ai des recherches à mener. Les échecs avec le jeton ARM ont rendu le docteur Adams encore plus tendu que d'habitude. Aujourd'hui, j'ai entendu interroger Joseph au sujet d'irrégularités dans les journaux de contrôle des accès au labo. Je vois parfois Joseph rôder tard le soir près du labo en compagnie d'une femme, mais il a assuré au docteur Adams qu'il ne sait rien à ce sujet. Le docteur Adams l'a cru comme d'habitude. Ou peut-être que le docteur Adams ne veut pas que Joseph ait des problèmes pour une raison qui m'échappe. Il a une façon d'ignorer manifestement les activités parascolaires de Joseph, par exemple avec les porteuses. C'est un homme étrangement protecteur. J'ai dû amputer la jambe gauche de Lucie hier soir. L'asticothérapie a commencé par entraîner une amélioration superficielle, mais la nécrose était déjà trop avancée et une partie du membre avait commencé à se liquéfier. C'est très sale. Nous avons reçu une nouvelle livraison de porteuses en provenance du planning familial Kane, en vue de la préparation de la deuxième étape de l'incubation cette semaine. Je devrais pouvoir trouver une donneuse de rechange. Les problèmes avec Mère ont continué par intermittence. Elle dit que les ingénieurs veulent supprimer et réinstaller son système d'exploitation. Je ne peux pas les laisser faire. Et si Mère ne m'aimait plus? Et si elle m'oubliait? Adley est encore malade. Oh, Adley et Lucie. Était Lucie. J'ai essayé de l'appeler Adley après avoir lu ce nom dans le dossier d'une porteuse. C'est un joli nom. La porteuse est très jolie, elle aussi. Elle a une jolie jambe gauche. Oula. Enfin, je pense que la nouvelle maladie d'Adley est due à la moisissure qui a contaminé les conduits de ventilation dans tout le complexe. L'étage a été mis en quarantaine. Sa bouche et ses narines sont bouchées par une substance gluante et une biopsie des poumons a révélé à ma grande surprise tout un éventail de mycotoxines dont j'ignore la taxonomie. Elle a perdu plusieurs dents et ses excrétions muqueuses semblent l'ammoniaque. Entre ça et les récents incidents avec Mère, j'ai commencé à réfléchir à une façon de fuir. Ça ne va pas être facile d'amener Adley et Mère à l'ascenseur, et même si j'y parviens, je n'ai pas de matricule pour me permettre de sortir. Ouh! Belle bande de tarés! Je sais pas si on peut redescendre. Le terminal a été verrouillé en raison d'une brèche de sécurité. Brèche de sécurité. Oula, le nombre des possibilités est infini. Une lumière blafarde pénètre dans les ténèbres brumeuses depuis les niveaux supérieurs. Ok, bon, c'est une belle entrée en matière. Bon, je peux en descendre. Je sais pas s'il y a autre chose à faire, je vois pas trop, mais... Ok, menu. Porte. Le bruit du conduit qui s'ouvre, le bruit organique, ça c'est affreux. Maybe stabbing that oaf wasn't such a bad thing. Elle est à moitié pleine ou à moitié vide. La poudre est très marron. Hello? Who's there?
It's dark in here. I can't see anything. I can't see you. Who are you? Why can't I see? What's happened to my eyes? Where are... God. What is that feeling? My hands. My feet. My fucking skin. I found some spares. What? Nothing. Bad joke. Where am I? Okay. Elle garde l'humour. Keep calm. Was I in an accident? I don't know. I think I can smell blood. Well, I'm Hadley. I can't remember my name. Can't remember. It'll come back to you. I'm sure it'll come back to you. Hello? You there? It's dark, but I can hear muffled noises. I can feel my toes. Speak up, buddy! Alone again. Well, as alone as I can be with a kiddo inside me. J'adore son humour en toutes circonstances. Bon, apparemment, la jambe gauche, un spectacle grotesque composé de parties du corps amputées et mal assorties, cousues ensemble à la va-vite pour former une sorte de pantin de chair. Est-ce que ça serait pas notre ami Hadley? Gentiment, je manque la jambe gauche. C'est assez affreux. C'est affreux. Les ombres dansent comme des fantômes sordides dans la lumière vacillante. On peut pas prendre. Il y a un terminal encore. Du sang séché, de la cire de bougie et quelque chose qui sent l'ammoniaque. C'est le pantin qui est au-dessus de toi qui sent l'ammoniaque. Boîte d'outils multifonction. C'est un outil multifonction Omnitech. Tiens, j'ai pas le temps de lire. Pas de chance. Il a été rappelé en raison d'accident professionnel imprévu. La boîte est verrouillée. Ah ok, c'est rassurant. La porte est verrouillée. L'hologramme rouge aussi indique que cette porte est verrouillée. Ok. Système de contrôle atmosphère. Matricule actif requis pour accéder au terminal. Namar Gutsu est désormais banni dans toutes les colonies de la Terre, mais la Ken Corfresson a acquis le stock restant. Je vais l'ouvrir. Mon exemple d'objet réussi. La poudre ultra fine de Gutsu donne un sentiment d'euphorie quand on la consomme. Ah, on va peut-être éviter. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La silhouette a été crochée délicatement une sorte de crucifix improvisé. Sa peau, fine comme du papier à cigare, à l'apparence dufteuse d'une pêche moisie. Conduit de plafond abîmé. Les fuites de liquide ont fait augmenter l'humidité ambiante dans cette pièce et la puanteur rance et piquante de la chose qui est pendue au centre de la pièce est presque tangible. C'est affreux. Il y a quelque chose que je peux prendre. Que je commence à sécher. Hein. Okay. Breathe, Hadley. This must be a side effect. You're still asleep. Est-ce que j'ai loupé quelque chose ici? Pas l'impression, mais... Terminal de contrôle, il me faut un code d'accès, de toute manière. Il n'y a pas de code d'accès dans le PDA. De toute façon, je ne pouvais pas les prendre.
Où l'emmener? Ok, il peut rester là. Hot, 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 hot. Brûle. Peut-être qu'il faut que j'arrive à trouver le code dans le morpion là, sans indice, c'est quand même un peu chaud. Voire quasiment impossible. Sans indice. Bon, je veux que peut-être de redescendre. Que j'aurais pu utiliser mon disque dur dans l'ordinateur du bas. Et descendre avec ton gros ventre. On va essayer d'aller faire ça. Je vois pas ce que je peux faire avec l'isolant là. Ok, c'est gentil pour moi. Ouais, ça commence bien, je sais déjà. Access denied. Ouais, je savais pas non plus ce que tu pouvais faire avec la bouffe. Là, je peux pas le déverrouiller. Pas réaccéder au mec là-haut. Il m'a pas semblé voir le corps là. Quelque part, je l'aurais pas vu. Pas tant de lapin. L'impression que c'est en haut que ça se joue encore. Ah non, le corps, il a disparu.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec l'isolant que je vois, mais je vois pas quoi appliquer à l'isolant. Plus grand chose, elle a pété le scalpel, cette idiote. Il y a un truc avec les ordinateurs, mais je vois pas trop comment je peux faire au niveau des codes. Là, de toute manière, j'ai besoin d'une authentification, c'est ça, hein, je crois. Que je n'ai pas. J'ai dû passer à côté de quelque chose, mais je vois pas quoi. Où cherche? Ah, braise. Pas m'aider. C'est vrai que j'arrive à bouger le bras. Il faut y aller au pif au niveau du code d'accès. Alors, je vois pas ce que j'ai loupé. Peut-être quelque chose que j'ai sous le nez. Bon, ça commence bien. Je vois pas. Je vois vraiment, mais vraiment pas. Vraiment pas ce que je peux faire. J'espère que ça n'a pas coupé, j'ai réglé quelque chose.
On va tester les trucs les plus cons. Ça, on a fait. Ça fait rien. Hadley needs to get her head checked. Là, je sèche, donc changeons de situation. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Okay. De toute façon, tout ce que je peux faire, c'est combiner ce que j'ai. Avec tout ce que j'ai trouvé, ça va pas être les portes. J'ai pas testé le machin. On va être aussi bête que ça. Not sure that's how it works. Ain't nobody got time for this. Alors, seems like a bad idea. PDA, je l'ai lu. Non. Je sais pas ce que viendrait foutre la boîte de protéines avec un ordinateur. Ou alors je combine mal. Il n'y a pas de... Je vois pas. Je peux faire un truc avec le truc en flamme. On prend rien. C'est un truc. Ah, oh là là, c'était tordu. Bah, disons ça. Ah. It worked. Yeah, alors est-ce que j'ai pu libérer la pince? Fallait y penser à mettre la poudre sur l'écran. Alors, on va se cramer les pattes. Ok, super. J'ai pas brûlé à prendre une pince super chaude. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes avec la combinaison d'objets parce que des fois on clique. Ok. Ah d'accord, on peut descendre. Ouais, on entend des cris en bas, c'est pas top. Est-ce qu'on a encore la pince? Oui. Pas l'air. On a toujours la boîte de protéines. Bah alors, essayons-le sur votre ordinateur. I don't think so. Ah ben bah pourquoi pas. Maybe. Probably not. Bon, je pense qu'il faut descendre. Pas trop le choix. Oi! Is somebody there? Fuck!
kid out. I said he's so. Oh mon dieu, mais il a plus de jambes. I can't see shit through this bleeding plasma shield. Hello? What the fuck? How are you getting here, eh? I came in from the service shaft. Get down the fucking service shaft, eh? You think I'm fake? You're taking the piss? You a spy or something? What? Of course not. This slag thinks I believe, eh? Just came down to see this part, eh? Well, listen here, bitch. Just come a little closer. And I'll teach you what a service pipe is. Bon, ok. Le champ de force chatoyant est diffusé entre les deux panneaux émetteurs. Le flux de particules thermogènes dégage une chaleur intense. Je sais pas si on essaie de traverser, mais... Il se tord de douleur dans la masse carbonisée et coagulée de ses propres viscères. La porte défaillante s'ouvre et se referme sans cesse. Anneaux entrelacés, les arcs électriques statiques se forment bruyamment entre les deux réacteurs. Ouais, je vais éviter d'aller jouer au con là-dedans. Jambes coupées, l'activation soudaine du champ de force approchait la moitié du corps de cet homme de l'autre côté de la pièce. Oh putain. Boîtier de disjoncteur, le disjoncteur est solidement fermé. Ah, la pince. Pas l'air d'être ça. Je pense qu'il faut éviter de monter là, non? On était en tant que Danny Boland. Je peux descendre? J'ai oublié de foutre toi. Ça change de couleur, ça? Une sorte de tournevis là, hein, que je n'ai pas. Avec la pince, on pourrait y arriver. Je ne pense pas que ça fonctionne de cette façon. Toujours pas avec la boîte de bouffe. Hadley, are you on drugs? Bon, jamais. Ah, jambes. On peut faire quelque chose avec les jambes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On a chopé une carte d'identification. I found your legs. Oh, bugger off! Don't you fucking touch those! I still need them! Sweet cheese and crackers.
Elle est autant qu'allumée que... allumée que... Bon, avec la carte d'accès, je peux peut-être avoir l'ordinateur du dessus, c'est totalement affreux. Je sais, j'ai besoin de la carte d'accès. Maybe if I jam it in. On second thought, I'm getting desperate. Access granted. On est en train de récupérer un outil défectueux. Ok, appareil de stockage quantique mis à jour. Ok, donc on a récupéré. Un assortiment varié de tournevis, pince, tenaille, lame et autres outils basiques rassemblés dans un outil modulaire très pratique. Super. On va redescendre voir notre ami. Il a beaucoup d'humour même s'il n'a plus de jambes. Some of our darling, her and her ankle by her. Probably here to turn off his stasis pod. I can get help. The Mingo wants to help now. Probably cause the explosion that activated the blast tube. What the hell is wrong with you? I'm literally the only person who can help you right now. No, you can sit right there. Listen to me die. Maybe we'll die together. Security gets here. Shut up, shut up, shut up! I'll help you, but I gotta get out of here, and the only way is through that door. Blast shield's up, honey. Power's running, yeah? Ain't no way it's coming down while we still got juice. Face it, lad. Security's gonna fry your little ass. Yeah. On est vraiment dans l'ambiance de Stasis, hein. Je sais pas si c'est une sorte de préquel. Ah, attendez. Multifonction. Oi, 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 oi. I take it back, sweetheart. Sorry then, love. I won't hurt you. Don't mess with the big boy toys now. Faut que je fasse un truc avec ça. Attendez. La poudre magique. Franchement, c'est pas super clair.
il y a des choses que je... Pas ouvrir le disjoncteur, il y a l'autre qui va entrer qui braille tout ce qu'il peut. Are you dead from the neck up, you stupid fucking knocked up cow? You'll cause a fucking meltdown! Peut-être qu'on se casse? Protocole de sécurité désactivé dans les cœurs quantiques A et B, une surcharge causera une déférence catastrophique, faites preuve de prudence. On a fait un truc, mais c'est pas suffisant. Là, on peut augmenter. Oh, on va s'arrêter là, ça fait 50 minutes. On est mort ? You've gone and released the fucking devil, you stupid cocksucker! Relève-toi, mademoiselle. Putain. Like a
feed you and your bloody spawn to a nippers. Get the fuck away from me! Hadley, what's happening? I blacked out. Oh, just, you know, managed to turn off the power. It's screaming. If you can hear it, then you must be close. I've been trying to move. They had me strapped down while they tried to kill me. Who is they? Them! Whoever took me. Whoever took you. Ok, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va continuer sur le jeu. On a pas mal de choses à faire, je pense. Donc merci à vous et à très bientôt pour la suite.